These are the unpromised provinces of the Harbingers. This is a dreadful place. This is my kind of place. And there is no place like home. How many of you want to play my game? How many are game? Hello everyone. C'est French Kid. Et today I will play Atmosfear the 3 Dimension. Donc je vais jouer à Atmosfear 3 Dimension, enfin 3D. Donc je vous ai déjà présenté il y a longtemps dans un live stream un jeu abandonné sur Super Nintendo. Donc il y a eu quelques niveaux de. On ne sait pas si le niveau était terminé. Et du coup, donc maintenant, on va se lancer dans la version PC. Donc dans cette version PC de Atmosfear, donc c'était vers la sortie de la version des émissaires. Et donc, aussi, j'ai oublié de rappeler les règles du jeu parce que c'est un jeu qui date des années 90. Atmosfear, moi, c'est un jeu où le but est d'avoir 6 clés et de battre le MJ du jeu. Donc la cassette est devenue en 2004 le DVD. Donc faut battre le seigneur des clés qui va vous désavantager ou vous donner des avantages pour gagner la partie ou la perdre. Et du coup, donc ils ont sorti un jeu sur PC. Et j'ai cherché partout et du coup à force de chercher une fois mon ordinateur a pris plein de virus et du coup réparateur et beaucoup de sous et là c'était dispo en émulation et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je peux choisir entre 1 et 6 joueurs, donc en sachant que les jeux de société ça joue normalement sur 3 joueurs, donc on va faire avec celui-ci. Anne de Chantrelle. Anne de Chantrelle. The witch. Getting a little paranoid about you. Donc voilà, faut choisir le cauchemar pour. But what really scares you? J'aime pas trop Anne. On va dire qu'il y a la peur des araignées. On va dire que ce serait marrant. Voilà. Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory, the vampire. What are you scared of? Qu'est-ce qu'elle peut avoir peur? Allez, on va dire le serpent. Je vais tenter de dire la hauteur juste pour faire la blague. Allez, la hauteur. That is pretty pathetic. Who's next? Et une équipe de filles. Help him. The poltergeist. You are nothing but a little shiver. Elle a peur de noir. That is pretty pathetic. How long do you think it will take you to beat me? Alors on va un peu baisser. On va dire. On va pas faire un live très très long, on va dire 35 minutes. You have a fat chance of beating me in that time, but I'll still humor you. Now choose the length of your turn. The faster the better. On va dire 25. Normalement, la partie d'atmosphère ça dure 49 minutes sur DVD et 60 sur VHS. Cinématique.
case de la fosse commune. On va laisser un peu de temps. Bah dans la traduction de la vampire. Donc en fait c'est un peu comme un jeu de société dans le même genre de plateau de l'émissaire, mais sachant que bah, le plateau est assez différent. Ils ont enlevé les chasseurs d'âmes, je pense, pour mieux faciliter le jeu. Hop, là je suis obligé de descendre toutes les marches et on va passer au dernier perso. J'aurais dû choisir l'autre sens. Tour. Ah, je pensais que c'était. Ah ouais. Il a passé un tour. Oh oh. Il est vite. Juste pile devant la fosse rouille. La clé est ici. Je suis là. Ah, tu peux y aller. Ah, j'ai sûrement la clé. Avec la sorcière. Ah, peut-être une carte. Je sais pas si c'est un. Ah, bah je peux pas lancer du dé. Alors, on tourne l'air. Je ne sais plus. 6. Thank you.
Pas compris. Donc j'ai déjà eu la clé. On va faire manège. Oula. Que je trouve comment on change de domaine. Hurry up or you'll miss your turn. Je peux pas faire grand chose. Ah, j'ai trouvé les portes. Ok, c'est vers le rebord avec les petits carrés. Ah, une petite case. Donc maintenant autour d'elle. Il me semble que je dois faire un petit score 2. Voilà. On a la clé. Et voilà, donc maintenant j'ai déjà eu la clé, du coup je ramasse pas. On va essayer un truc. Pourquoi? Ah, bah j'aurai un deuxième tour. Ah bah, hop, parfait. La clé. Peut-être je pourrais quitter mon domaine. Je crois qu'il existe un manuel dans ce, en PDF de ce jeu. Je vais essayer de partir d'ici. On rajoute des émissaires, les clés qu'on obtient, donc les couleurs. Ça permet de débloquer des pouvoirs, donc de voler, d'utiliser 2D, de déplacer des portes. Et du coup, ça peut faciliter la victoire ou désavantager les adversaires. Et voilà, donc il faut la clé pour sortir et aller dans un autre domaine.
bizarre, donc après ça c'est pas terrifiant. Ah, je suis pas trop loin de la clé quand même. Hein. Pas se déplacer. Je crois que j'ai compris. Fais un 6 pour rejouer. Alors on continue. 10. On est obligé d'avancer. Faut que j'aille ici sur les deux petits carrés là pour voyager entre les domaines. Je vais pas gagner en tout cas, c'est sûr. Hein. Avec 3 personnages en 33 minutes. Allez, là, faut que je fasse un 6 pour jouer. On va aller par là. On va contourner le plateau. Il reste 20 minutes. Ah. Je crois que j'avais droit pour un petit bonus. Pas de quoi. Sur une case. Moins 2, je ne sais pas quoi. Et elle, bah, tant que je fais pas de 6, 4, on passe. Prochain tour, on va passer par là. C'est vraiment comme les émissaires, mais en version plus simplifiée. Direction chez Kofu. Je suis là, la clé. Je trouve pas la clé. Alors, on va faire de chance. Protection, je crois. Eh ben, je fais que les 4. Lost, eh.
Il faut aller dans la pyramide pour aller chercher la clé. Quel joueur du jeu en français qui sont Je perds en puissance en fonction de s'il venait voir une bataille. Bon, un petit problème dans ce jeu, c'est que voilà, c'est que tu sais pas à quel endroit tu regardes. Là, je suis en train d'avancer, mais là, ça fait deux fois que je me dirige de l'autre côté de la clé. Regarde. Choose at your peril. Look at what you nearly got. It was bad. Ouais. On va enfin rentrer dans cette pyramide. On va juste regarder. Par là. Mr. Chan, you arrogant little twerp. Psst.
Il reste 12 minutes. Ah, 3. Parfait. Une quinte en plus. Ouais. Donc là, faut que je change de territoire pour elle. Il s'est bien rangé. Donc je traverse tout le plateau. Ah, c'était de bon. Voilà. On va essayer d'avoir une troisième avant de partir. Donc ça, on va les cycler pour passer. Dommage qu'il n'y a pas de... J'ai pas compris. I don't understand. C'était le blackjack. Fallait faire un tour? Qu'est-ce qu'il disait? Que je gagnais 4 clés si je fais 4? On va changer de territoire. Voilà. On est ici. La clé est là. Et après, on va traverser l'autre bout du plateau. Et on est. On va passer par là. Elle est là.
reste moins de 10 minutes. Elle peut se déplacer. Mais c'est trop court. Ah si, je peux tourner. Bon, on revient en arrière. On passe par là, on tourne, voilà. Et la clé est ici. Après, il faut que je fasse un sprint pour aller dans d'autres domaines. Alors, il a perdu une clé. Ouais, de toute façon, elle en a gagné une. Oh, elle a des 6 clés. Alors maintenant, faut que je... Putain. Alors quand elle a les 6 clés, il faut vite que je monte tout là-haut pour gagner. Et là, elle n'a qu'une seule sortie. Donc j'ai un personnage qui a 6 clés. Et donc elle, bah elle c'est le sprint. Pour aller dans l'autre domaine, mais à mon avis ce sera trop tard. Changer de domaine. Ah merde, on va pas tromper de route. Il reste 3 minutes environ. Et si elle reste 4 tours, c'est plutôt un désavantage pour l'autre personnage. Power,
sort pas. Il reste 2 minutes. On va pas faire grand chose. Si j'avais mis un peu plus de temps, peut-être la partie serait gagnée. Et on est chez Géodan. Bon, moi, dans ce live, on a vu à peu près tous les territoires. Sauf le petit dernier. Elle a gagné une clé. Pas intérêt de retourner dans son lieu. Elle a déjà la clé qu'elle a, la clé rouge. Ah bah dis donc. Finalement, je crois que je vais retourner, hein. Je crois que je me suis trompé de chemin. Fini. Had enough, maggot, or are you ready for more? Voilà. Pest. 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 Logiciel. Donc ça quitte le logiciel. Donc voilà, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, finalement, si ça avait duré plus d'une heure, j'aurais pu gagner la partie. Et là, bon, ce petit live, du coup, pour aussi voir un petit test, voir si ça tout fonctionne bien. Et voilà, bah, peut-être j'en ferai d'autres la prochaine fois, on verra. Dans la condition aussi de mon PC. Enfin, voilà. Bon, ça fait un petit jeu sympa, après peut-être faire une revanche. Peut-être faire une petite revanche la prochaine fois avec cette fois-ci la vraie durée du jeu, 33 minutes comme je l'ai dit, être plus sûr de pouvoir me battre, c'était presque impossible, sachant que j'ai eu deux personnages qui ont eu toutes ces clés à la dernière minute, donc voilà, c'était un peu trop tard. Ouais. Allez, good night everyone, bonne nuit à tous.